Bonjour et bienvenue à la traversée virtuelle du Canada. Je m'appelle Kiana et je représente l'organisation Éducation Canadian Geographic. Aujourd'hui, je suis en direct avec Véronique et Mallory de Parc Canada. Elle va nous faire découvrir l'archéologie préventive. La traversée virtuelle du Canada est présentée par Canadian Geographic, Parc Canada et Exploring by the Seat of Your Pants. Visitez le site web de la traversée pour connaître les prochaines dates et les autres endroits que nous visiterons tous ensemble. N'oubliez pas de vous inscrire au concours pour la chance de gagner des prix en argent pour votre classe. Merci beaucoup et bienvenue Véronique et Mallory. Bonjour tout le monde. On est content d'être ici avec vous à partir du lieu historique national de la forteresse de Louisbourg. Moi, c'est Véronique. Mallory est avec moi ici en coulisses, qui est l'archéologue de Parc Canada qui va nous montrer nos artefacts aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir voir ma présentation bientôt ici sur l'écran. On va vous parler du lieu historique national de la forteresse de Louisbourg. On va vous parler d'archéologie et on va vous parler d'érosion côtière et du besoin d'archéologie préventive, qui est ce qu'on fait ici à la forteresse de Louisbourg durant l'été. Donc, en premier, je vais vous parler un peu de la forteresse. Elle est située en Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton, sur les terres ancestrales du peuple Mi'kmaq. Donc, vous voyez l'étoile sur la photo. Et le peuple Mi'kmaq, c'est le territoire non cédé et ancestral ici. Donc, ils sont ici depuis des temps immémoriaux et utilisent le site de la forteresse pour la pêche et pour l'habitation depuis très, très longtemps. Et puis, en 1713, les Européens viennent s'installer ici à Louisbourg pour la pêche à la morue. Donc, la pêche à la morue, c'est une pêche qui est très lucrative, donc les gens font beaucoup d'argent à pêcher la morue, à la faire sécher et là l'envoyer partout au monde comme nourriture. Donc, c'est l'industrie principale à Louisbourg, la raison pourquoi les gens s'installent ici. Donc, vous voyez sur les photos une morue et vous voyez les outils qui sont utilisés par les pêcheurs, des hameçons, des poids pour les filets, des harpons, toutes ces choses-là sont trouvées ici à Louisbourg. Donc, puisque la pêche à la morue était tellement importante et tellement lucrative, Louisbourg devient actuellement une vraiment grande ville. Donc, vous allez voir maintenant une carte de Louisbourg telle qu'elle était en 1742. Donc, vous voyez en jaune apparaître la partie qui est le port de mer, qui était très occupée. Et ensuite, en vert, les fortifications qui ont été construites en 1719 pour protéger la ville de Louisbourg contre les attaques potentielles des autres forces européennes qui voulaient eux aussi avoir leur part de cette pêche à la morue. Donc, est-ce que vous savez pourquoi c'est une forteresse et non pas un fort? Bien, la différence entre les deux, c'est qu'un fort, c'est seulement du personnel militaire, alors qu'une forteresse, c'est aussi toute une ville. Donc, il y avait des soldats, mais il y avait aussi des marchands, des pêcheurs, il y avait des familles qui vivaient à Louisbourg. Donc, c'était très, très occupé. Par contre, puisque c'était une ville qui était très riche, il y a eu beaucoup de guerres qui ont eu lieu à Louisbourg aussi. Donc, Louisbourg a été attaquée par les forces britanniques, capturée par les Britanniques, redonnée aux Français, capturée de nouveau par les Britanniques. Et dans les années 1760, Louisbourg a été complètement détruite par les Britanniques qui ne voulaient pas que les Français reviennent s'installer ici. Donc, pour à peu près 200 ans, Louisbourg est complètement en ruine. Vous voyez sur la photo en avant-plan les décombres de la forteresse, tout ce qui a été détruit. Il y a quelques personnes qui restent pour continuer à pêcher la morue à la ville moderne de Louisbourg, mais le site de la forteresse est pratiquement abandonné. En arrière-plan, vous voyez le premier musée qui a été construit sur le site de la forteresse dans les années 1930. Et puis, dans les années 1960, Parc Canada reconstruit un tiers de la ville. Donc, on fait des fouilles archéologiques, on reconstruit un tiers des bâtiments. Et si vous veniez visiter maintenant, vous pourriez visiter les bâtiments reconstruits et les sites archéologiques.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la forteresse de Louisbourg, c'était un lieu très occupé. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui vivaient ici, comme vous pouvez voir sur la peinture. Donc, en avant-plan, vous voyez les soldats qui défendent la ville. Vous voyez toutes les maisons où ce que les marchands, les artisans, les pêcheurs, ils vivaient ici sur le site de la forteresse. Vous voyez plus de 200 navires dans le Havre, donc une ville très, très occupée, des gens qui viennent de partout au monde pour faire la pêche à la morue ici à Louisbourg. Et tous ces gens-là qui habitent à Louisbourg, ils laissent tous des objets derrière quand ils partent. Et ces objets-là sont les objets qui deviennent des artefacts et qui nous aident à comprendre plus à propos de leur vie quand on fait les études ici maintenant. Donc, parlons un peu d'archéologie. Quand les archéologues creusent dans le sol, ça s'appelle faire des fouilles. Et les objets qu'ils trouvent dans le sol, les objets qui ont été laissés derrière par tous les gens qui habitaient ici, ça s'appelle des artefacts. Et les archéologues font leur travail dans ce qui s'appelle un site archéologique. Donc, les sites archéologiques, c'est les endroits où les gens vivaient dans le passé, les endroits où ils ont laissé des artefacts. Et il y a beaucoup de sites archéologiques autour de la forteresse de Louisbourg. Et on a fait beaucoup de fouilles. Donc, ce que notre amie Mallory va faire maintenant, elle va nous montrer certains des artefacts qui ont été trouvés au site historique de la forteresse de Louisbourg au cours des années. Des objets qui ont été perdus, des objets brisés que les gens ont jetés. Et tous ces artefacts-là nous aident à comprendre la vie des gens à qui ils appartenaient. Donc, pendant qu'on prépare notre table d'archéologie pour vous montrer des exemples, je vous invite à penser quels objets qui vous appartiennent présentement qui pourraient un jour devenir un artefact. Donc, Mallory nous montre le premier objet. Donc, c'est une épée, ce qui reste une épée. Donc, comme vous voyez, le manche est fait en bois et il y a un morceau de laiton qui est enrôlé autour pour former le manche. Ensuite, la lame est rouillée. Donc, elle était à l'époque beaucoup plus longue que ça, mais dans la terre, elle rouille tranquillement, elle devient beaucoup plus petite. Et ça, c'est seulement ce qui reste de l'épée quand elle a été excavée par les archéologues récemment. Donc, puisque Louisbourg, c'était quand même une forteresse militaire, beaucoup des artefacts qu'on trouve sont des artefacts militaires, comme le manche de cette épée, ou bien comme les balles de mousquet que vous voyez ici. Les balles de mousquet, c'est ça qu'on utilise comme balles de fusil, les mousquets qui étaient le genre de fusil qu'il y avait à l'époque. C'est des balles en plomb et on en trouve beaucoup à la forteresse puisqu'il y a eu beaucoup de batailles ici. Et vous voyez que les deux balles sont de différentes grandeurs. Et les archéologues sont capables de déterminer si les balles de mousquet étaient anglaises ou françaises à cause de la différente grandeur des balles de mousquet. Mais pas tous les gens qui vivaient à Louisbourg, c'est pas tous des objets militaires, c'est pas tous des soldats. On a ici quelques exemples de tous les jours que vous allez peut-être reconnaître. Donc, vous voyez maintenant une fourchette. Comme les fourchettes aujourd'hui, mais avec seulement deux dents. Le manche est en os et ensuite les dents sont en métal. Et les fourchettes à l'époque étaient utilisées un peu différemment des fourchettes maintenant. Donc, au lieu de manger en prenant la nourriture de la fourchette à la bouche, on utilisait les dents de la fourchette pour piquer la nourriture dans l'assiette. On coupe avec un couteau et ensuite on mange avec le couteau au lieu d'avec la fourchette. Un peu différent. Donc, le prochain objet... C'est un objet un peu étrange. Donc, pouvez-vous deviner qu'est-ce que c'est? Donc, Mallory va nous montrer de l'autre côté. Vous pouvez voir or sur l'objet. Il y a un petit couvercle dessus. Donc, ce sont des objets français, des objets européens. Cela est en cuivre. Si vous avez deviné que c'est un couvercle, vous avez raison. C'est le couvercle d'une chocolatière. Donc, une chocolatière, c'est ce qu'on utilise pour préparer du chocolat chaud, qui était un repas, un breuvage très populaire à l'époque. Le chocolat coûtait très cher, donc c'était seulement les gens très riches qui pouvaient avoir du chocolat chaud.
ils mettaient la chocolatière, ils mettaient du lait ou de l'eau chaude, et ensuite, avec le petit trou sur le dessus, ils mettaient un bâton pour pouvoir mélanger, pour que ça vienne tout mousseux. Donc, ça, c'est notre couvercle de chocolatière ici. Le prochain objet, vous allez sûrement reconnaître ce que c'est. C'est un peigne. Il est fait en os. Et quelque chose de spécial à propos du peigne, c'est comment petites sont les dents. Donc, c'est des dents très, très fines. Et la raison pour ça, c'est parce que les gens au 18e siècle, à Louisbourg, avaient des poux. Il y avait des poux, il y avait des puces, il y avait toutes sortes de bibites. Puis, ils utilisaient des peignes comme ça pour enlever les bibites de dans leurs cheveux. Donc, c'était important d'avoir des peignes très fins au 18e siècle. Maintenant, on va vous montrer ici un dernier objet. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un pot de chambre. Donc, avant que les gens aient des toilettes, quand il fallait qu'ils aillent à la salle de bain, bien, ils utilisaient un pot de chambre comme ça. Donc, ils gardaient ça en dessous de leur lit ou dans leur bureau. Et s'ils avaient besoin d'aller faire pipi, bien, ils utilisaient le pot de chambre et ensuite, ils allaient vider le pot dehors quand il était plein. Donc, on trouve beaucoup de pots de chambre à la forteresse parce que, bien, tout le monde a besoin d'aller à la salle de bain des fois. Donc, ça, c'est quelques-uns des objets qu'on a trouvés à la forteresse de Louisbourg au cours des années. Donc, maintenant, on va parler un peu d'érosion côtière et des excavations qu'on a faites récemment pour protéger nos artefacts. Donc, vous voyez de nouveau. Vous allez voir ma présentation dans un moment. Et voilà. Donc, Louisbourg, comme vous avez vu, est situé juste sur le bord de la côte. Il y a un gros port de mer et on est à côté de l'océan Atlantique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vagues, il y a beaucoup de tempêtes et aussi, le niveau de la mer monte depuis plusieurs années. Donc, vous voyez l'archéologue sur la photo qui tient un anneau de métal. Ça, c'est l'anneau à laquelle on attachait les bateaux, on amarrait les bateaux au quai au 18e siècle. Donc, vous allez voir apparaître, ça, c'est le niveau de la mer à la marée haute dans les années 1700. Par contre, le niveau de la mer a monté. Et maintenant, le niveau de la mer à la marée haute est par-dessus la tête de l'archéologue et par-dessus les murs. Donc, quand on a des grosses tempêtes en hiver, quand il y a des orages, des grosses marées, bien, l'eau monte par-dessus les murs de la forteresse, ça fait des inondations sur notre site et ça l'emporte beaucoup de visiteurs aussi, donc ça l'érode la côte tranquillement. Ça, c'est quelque chose qui arrive ici. Pour empêcher ça d'arriver, pour empêcher que trop du site soit inondé ou que trop du site soit emporté par la mer, on a plusieurs méthodes qu'on utilise pour protéger le lieu de la forteresse. Donc, vous voyez maintenant une photo aérienne, donc vue du dessus de la forteresse. La première chose qu'on a construit, c'est des brise-lames, donc des grosses piles de roches, effectivement, qui empêchent les vagues de frapper la côte de la forteresse. Comme ça, ça l'emporte un peu moins de terre et ça garde le sable sur la plage au lieu que le sable soit emporté par le courant. On a aussi ajouté du sable à notre plage. Donc, vous allez voir en rouge, ça, c'est les endroits où on a mis plus de sable pour renforcer la plage. Parce que cette plage-là, c'est la plage de la barrière. Donc, c'est la plage qui protège une grande partie du site de l'érosion côtière. Par contre, on ne peut pas tout protéger. Les côtes vont changer, c'est quand même normal. Et l'érosion côtière, on ne peut pas tout empêcher. Donc, quand on a des situations où on risque de perdre des objets parce qu'on ne peut pas les protéger, ça, c'est quand des archéologues comme Mallory vont aller faire de l'archéologie de prévention et sauver ce qu'il y a sur le site avant que ça soit emporté par la mer. Un des projets comme ça dont on va vous parler, c'est le projet de la pointe Rochefort que vous voyez maintenant sur la carte à la droite. Donc, la pointe Rochefort, c'est une petite pointe de terre qui est située entre l'océan et le havre de Louisbourg. Vous voyez donc à droite de la carte. Sur l'image, on a surimposé la carte du 18e siècle
et la carte moderne. Donc, vous voyez en jaune, ça c'est comme en grande qui était la pointe Rochefort dans les années 1700. Et en rouge, ça c'est comme en grande qui est la pointe Rochefort maintenant. Donc, vous voyez que la pointe est de plus en plus petite et le plus qu'on a de tempêtes, la plus petite qu'elle va devenir. Donc, nos archéologues font des fouilles sur la pointe Rochefort avant que ce soit emporté. Ces fouilles-là sont situées sur, encore une fois, vous avez la carte d'époque de la pointe Rochefort, sont sur des endroits qu'on a identifiés comme étant particulièrement intéressants sur la pointe Rochefort. Donc, on sait qu'il y a des pêcheurs qui habitaient là, qui avaient des quais et qui faisaient sécher la morue. On sait aussi qu'il y avait un cimetière. Donc, vous voyez surligné en bleu le cimetière de la pointe Rochefort. Il y avait la maison de la famille Carrero qui était située là en violet avec des jardins et des dépenses, donc plusieurs bâtiments situés sur cette propriété-là. Et en vert, vous voyez la famille Sainte-Marie qui avait une maison et un jardin sur la pointe Rochefort. Donc, ça, c'est nos points d'intérêt. Ça, c'est ça qu'on veut en savoir plus au sujet de ces bâtiments-là. Mais même si on a des cartes, on ne sait pas exactement où ils étaient sur le site. Donc, il faut les trouver. Et aussi, mais on veut en savoir plus. C'était qui les Carrero? Ça mange quoi l'hiver, la famille Carrero? Et ça, c'est toutes des questions qu'on peut répondre en faisant des fouilles archéologiques. Donc, vous voyez sur les photos des archéologues en action. On travaille avec l'Université du Nouveau-Brunswick et Dr. Amy Scott, qui porte le sweater bleu sur la photo, pour nous aider à faire les fouilles sur la pointe Rochefort. Et puisqu'il y a un cimetière sur le site de la pointe, Dr. Scott est une bioarchéologue. Et ça veut dire qu'elle est spécialisée à déterrer les tombes et les squelettes et les réenterrer quelque part d'autre pour les étudier. Donc, c'est avec elle qu'on travaille depuis plusieurs années sur la pointe Rochefort. On va vous montrer quelques-unes des choses qu'on a trouvées sur la pointe Rochefort. Donc, on a ici les images de la maison Carrero. Donc, vous voyez à gauche, il y a des pierres, il y a du sol de différentes couleurs. Donc, surligné en jaune, ça, c'est le foyer et la cheminée, de la maison Carrero. C'est l'endroit central dans la maison, là où il faisait à manger, les grosses roches qui supportent la cheminée, là où il y avait un feu pour se garder au chaud. Donc, on a trouvé ça dans le sol. Et là, les marques que vous voyez qui sont noires ou plus foncées dans le sol, donc je vais le surligner en violet, ça, c'est le plancher de la maison. C'était un plancher de bois et quand la maison a été détruite, elle a été brûlée. Donc, il reste des traces dans le sol du bois du plancher qui a été brûlé, qu'on peut toujours voir dans les sites archéologiques. Donc, basé sur cette évidence-là, basé sur le foyer, la grandeur de la maison, on estime que la maison Carrero aurait probablement ressemblé à la maison blanche que vous voyez à droite de la photo. Donc, on a trouvé beaucoup d'artefacts à la pointe Rochefort et Mallory va nous en montrer quelques-uns maintenant. Et pendant qu'on prépare notre caméra, je vous invite à penser, quelles questions avez-vous au sujet des gens qui habitaient dans le passé et quel genre d'artefacts vous aiderait à répondre à ces questions? Donc, vous allez voir maintenant la caméra de Mallory, et elle va nous montrer un objet de verre. C'est seulement un petit fragment. C'est un morceau de verre qui est très plat, donc trop petit pour être une bouteille. C'est actuellement le morceau d'une fenêtre. Donc, des morceaux de fenêtre comme ça qu'on a trouvé pas loin de la maison Carrero, ça nous dit que, ben, il y avait du verre dans la fenêtre et ça nous dit aussi que c'était une maison quand même assez riche. Parce qu'au 18e siècle, ça coûtait cher avoir des fenêtres en verre. La plupart des gens avaient seulement des volets en bois. Donc, on sait un peu plus au sujet de la richesse de la famille Carrero à cause de ces petits morceaux de verre de fenêtre qu'on trouve sur le site. On va maintenant vous montrer un autre fragment. Donc, juste un petit morceau de poterie. Donc, ce petit morceau-là, les verres d'un côté,
bien décoré. De l'autre côté, il est quand même assez épais. Il est fait en poterie. Et ce petit fragment-là, ça appartenait probablement à un bol de cuisine. Donc, les archéologues, quand ils trouvent un fragment, bien, ils vont le comparer à d'autres objets semblables qui existent. Et on peut voir comment que le fragment qu'on a trouvé appartient à un plus grand bol, comme celui que Mallory nous montre maintenant, qu'on a trouvé ailleurs sur la forteresse. Donc, ces bols-là, ces bols de cuisine, étaient utilisés pour mélanger une omelette ou mélanger un gâteau. Et comme vous voyez à l'intérieur, il y a des petites marques noires. Et ça, c'est des marques qui sont laissées par quelqu'un qui brasse le plat avec une cuillère. C'est des marques de la cuillère sur le bord du plat. Donc, vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui est en train de sortir tout le reste de la pâte à gâteau de son bol, comme on fait maintenant. Mais c'est la même chose avec ce bol-là du 18e siècle. Un autre petit fragment, encore une fois, trouvé sur la pointe Rochefort. Celui-ci est gris, avec un peu de peinture bleue dessus, que vous voyez. C'est de la poterie qui vient d'Allemagne. Donc, il vient quand même de loin, qui a été apporté à Louisbourg par bateau. Et ce morceau-là appartiendrait à une tasse, comme celle que vous voyez maintenant. Donc, probablement un morceau du bas d'une tasse, comme celle-là, des tasses fabriquées en Allemagne, pour des choses à boire. Donc, vous voyez, très bien décoré en bleu, très joli. Donc, quand on trouve des fragments, des morceaux de poterie, bien, chaque morceau va avoir un numéro, comme vous voyez à l'intérieur. Donc, chaque morceau est numéroté. Et ensuite, on va les assembler pour essayer de comprendre, mais c'était quelle grandeur ce vaisseau-là, à quoi il servait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. À partir de plein de petits morceaux, on peut construire un objet au complet et comprendre beaucoup plus au sujet de la vie des habitants à qui ces objets-là appartenaient. Le prochain morceau est beaucoup plus fin. C'est un morceau de porcelaine, la porcelaine qui vient de Chine et qui coûte très, très cher. Donc, que la famille Carrero pouvait se permettre d'acheter de la porcelaine, ça nous dit qu'ils étaient effectivement très riches. Et ce morceau-là appartiendrait probablement à un objet comme celui-ci, à une petite tasse de thé peut-être, ou une tasse pour boire du chocolat chaud. Et comme vous voyez, elle est très bien décorée et il y a un peu d'or dessus. Donc, il y avait de la peinture en or sur le rebord et dans les décorations. Donc, ça, c'est tous des indices qui nous disent que la famille Carrero était quand même assez riche pour acheter des décorations comme ça. Donc, ça, c'est quelques exemples d'artefacts. Mais là, Mallory va nous montrer, c'est un sac plein d'objets. Donc ça, ça a tout été trouvé dans une toute petite fouille sur la pointe Rochefort. On a des morceaux de verre, des morceaux de poterie, et chacun de ces petits fragments de poterie-là nous en prend plus à propos de l'objet auquel il appartenait, et ensuite à propos des gens à qui les objets appartenaient. Et ça, c'est comment on en apprend plus sur la vie des gens à Louisbourg. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on préserve de l'érosion côtière, parce que sinon, c'est tout emporté par la mer et on n'apprend pas quand on perd les objets comme ça. Donc, je vais revenir maintenant à ma caméra et à mon PowerPoint. Excellent. Donc, voilà, vous voyez maintenant une photo de la pointe Rochefort de nos jours. On est super contents d'être ici avec vous. Merci beaucoup d'être venu visiter au lieu historique national de la forteresse de Louisbourg. Et on a hâte d'entendre vos questions. Donc, vous pouvez les poser à moi ou vous pouvez les poser à Mallory. On va être super contents de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci. Wow! Quelle belle présentation! C'était très, très intéressant. Merci beaucoup à Véronique et Mallory d'avoir partagé avec nous une telle richesse d'informations sur l'archéologie chez la forteresse de Louisbourg. Merci beaucoup! C'est maintenant l'heure des questions-réponses. Nous répondrons d'abord aux questions des classes qui nous ont rejoints, puis à celles de ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions dans le chat
pour les classes qui sont sur YouTube, pour Véronique et Mallory, pour que je puisse les demander. Nous commencerons avec la classe de Madame Roxane. Est-ce que vous avez une question pour Véronique ou Mallory? Allô, les élèves? Les voilà. OK, donc, la classe voulait savoir, c'était pendant quelle période et quelle civilisation la plupart des objets que vous trouverez viennent? C'est une très bonne question. Merci de la poser. Donc, on retrouve des objets de différentes périodes à la forteresse de Louisbourg. On trouve des objets de la période du Mi'kmaq, des habitants qui étaient là avant l'arrivée européenne, mais on n'en trouve pas beaucoup de ceux-là. La majorité de nos artefacts viennent de la période d'occupation européenne, donc le début du 18e siècle, jusqu'à à peu près 1760, quand la forteresse a été détruite. On trouve aussi certains objets plus récents. Donc, ça, c'est ceux-là qui sont arrivés sur le site après que la forteresse a été détruite, mais quand on pêchait toujours la morue sur le site. Donc, principalement des objets français ont eu lieu là. Merci beaucoup. Nous avons une question de la classe de Madame Clermont. Merci. On a quelques secondes. Oui, allô? Oh, allô! Oh, OK, excuse, on est une école complètement virtuelle, alors c'est pour ça que tu ne me vois pas. Mes élèves sont à l'autre écran. J'ai une question de la belle Isabella qui aimerait savoir comment et pourquoi on lave les artefacts. Ouh. Super bonne question. Pourquoi et comment? Donc, en partie, on les nettoie pour être capable de voir les détails qui sont dessus. Donc, quand les artefacts sortent de terre, bien, souvent, il y a de la terre qui est encore collée dessus, qu'il faut nettoyer pour ça. Et ensuite, on va les nettoyer pour les préserver. Donc, surtout les objets en métal, s'il y a de la rouille dessus, mais on veut empêcher que la rouille détruise l'objet au complet. Donc, on a des experts qui travaillent pour nous à Parc Canada, qui sont des conservateurs, et leur emploi, ce qu'ils vont, eux autres, c'est juste nettoyer des objets, les préserver pour les garder en bon état. Et comment ils font ça? Bien, il y a plusieurs différentes façons. Ça dépend de l'objet. Donc, ils vont nettoyer les objets en métal d'une certaine manière pour enlever la rouille, la poterie d'une différente manière pour enlever la terre. Et dans certains cas, on a des objets très rares qui sont en tissu ou en bois. Et ça, c'est des techniques différentes pour préserver les objets qui sont organiques, qu'on dit. Donc, ils sont faits en laine ou en bois, préservés de cette manière-là. Merci beaucoup. Maintenant, on passe la parole à la classe de Madame Stéphanie. Allô? Bonjour. Mon nom est Anthony. Pense plus fort. Mon nom est Anthony et ma question est comment t'as la carte et comment on a fait pour quoi? Comme pour trouver la maison et la carte. C'est les photos qui t'intéressaient aussi, de comment on a fait pour avoir les photos de l'époque? Oui. C'est pas clair, Anthony, hein? Oui, c'est une bonne question. Donc, les cartes qu'on vous a montrées, c'est des cartes qui viennent de l'époque française, de Louisbourg, au 18e siècle. Et ça, c'est que quand les Français vivaient à Louisbourg, ont appris que Louisbourg allait peut-être être attaqué, mais ceux qui ont fait, c'est qu'ils ont pris tous leurs documents importants. Ils ont pris les cartes, ils ont pris les documents de la cour, ces choses-là. Ils ont tout mis ça dans un bateau, puis l'ont envoyé en France. Donc, tous les papiers, les cartes ont été préservés dans les archives en France, et on y a accès maintenant.
Donc, on a pu prendre des copies des cartes du 18e siècle qui sont toujours préservées et on peut les comparer à l'archéologie qu'on trouve sur le site pour en apprendre plus de toutes ces différentes ressources-là. Donc, ça, c'est les objets qu'on a. Et d'autres, certaines des photos que vous avez vues, c'est des photos de Louisbourg moderne, la reconstruction de Louisbourg aussi. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole à la classe de Mme Ventrate. Est-ce que vous avez une question pour Véronique et Mallory? OK, on va passer, on va vous donner un peu de temps à générer des questions, puis on va passer à des questions qui viennent de YouTube. Donc, Madame Zouhairi demande, quelle est la taille moyenne des personnes qui vivaient à cette période? Quelle est la taille moyenne des personnes qui vivaient à cette période? Super bonne question. Donc, les gens à l'époque étaient moins grands qu'ils étaient maintenant. En fait, la taille moyenne pour un homme, c'était 5 pieds 5. Et pour une femme, c'était plus court encore, c'est 4 pieds 9. Donc, c'était beaucoup plus court que maintenant. Et quand on a reconstruit le site de la forteresse, on a été obligé d'agrandir certaines portes et certains des toits. On les a mis plus haut pour que les visiteurs ne se frappent pas la tête au plafond. Donc, super bonne question. Merci. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui vient de YouTube, c'est de Madame Fitzpatrick. La classe demande, est-ce que tu dois être riche pour avoir certains types de tasses? Comme les tasses qui viennent de la Chine. Très bonne question, oui, effectivement. Oui, donc les différentes tasses, ça dépend où la tasse était fabriquée et d'où elle devait venir. Donc, il y a de la porcelaine qui vient d'Asie, il y a de la porcelaine qui coûte un peu moins cher, qui était fabriqué en France, qui ressemblait, mais qui n'est pas tout à fait aussi belle. Et là, il y a ensuite, comme le bol vert qu'on vous a montré, ça, c'est la porcelaine, ou la poterie, pardon, que comme tout le monde avait. Parce que tout le monde avait besoin d'avoir des assiettes quand même, right? Donc, il y avait toute une gamme de différents objets que les gens pouvaient avoir. Et dépendant de combien d'argent qu'ils gagnaient, dépendant de s'ils achetaient des choses qui venaient de proche d'eux, ou bien non, s'ils allaient les chercher vraiment, vraiment loin, mais là, c'est qu'on a, là, on va avoir des prix différents pour les différentes sortes de poteries. Merci, très intéressant. On a une autre question de la classe de Mme Roxane, la classe de Monde. Combien de sites archéologiques y a en tout dans la pointe Rochefort? Ouh, bonne question. On va faire une demande à Mallory. Bon, je ne sais pas. Mais 4, 5, c'est, je ne sais pas, beaucoup de sites. There's, I don't know, there's lots of sites on Rochefort Point. It's really one big site that goes all the way out to the end of the point. So people have lived and worked along the whole point. OK, parfait, oui. Donc, Mallory est tellement pas certaine de combien qu'il y en a. Donc, on en a qu'il y avait 4 à peu près, mais il y a des gens qui vivaient sur toute la pointe Rochefort. Donc, on peut dire qu'au fond, la pointe Rochefort au complet, c'est un gros site. Puis, on les excave par morceaux pour être capable de donner beaucoup d'attention à toutes les différentes sections de la pointe Rochefort. Super bonne question. Parfait, merci. Et bon, nous avons une autre question de la classe de Mme Clermont. Oui, allô encore. Alors, mes élèves, je vais combiner quelques questions, mais ils demandent combien d'archéologues travaillent le site à un moment donné et puis combien d'heures par jour ou combien de jours pendant l'année qu'ils travaillent pour trouver des artefacts. Okay, oui, donc nos excavations présentement, ils durent à peu près 2 semaines. Donc, l'archéologie, c'est surtout fait durant l'été, quand il fait beau, pour se rendre. Pour nous autres, habituellement, c'est 2 semaines en été qu'on va faire des fouilles. Et ils vont décider juste un petit espace qui est assez grand pour être capable d'excaver au complet dans ces 2 semaines-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres travail qui est fait après. Donc, on excave les artefacts, mais après ça, il faut les nettoyer. Il faut mettre les numéros dessus pour les mettre en storage. Il faut comprendre c'est quoi les objets, donc beaucoup de recherches.
Donc, c'est 2 semaines d'excavation. Et ensuite, le reste de l'année, effectivement, c'est du travail d'analyse sur les artefacts qui ont été trouvés et de préparation pour la prochaine excavation, de trouver où on va mettre les prochaines tranchées, quel site où est-ce qu'on veut mettre notre attention pour les prochaines périodes de fouilles. Merci. Maintenant, on a une question de la classe de Madame Stéphanie. Quel artefact aimes-tu le plus? Merci. Merci. Ah, Véronique. Oh. Est-ce que vous avez entendu la question? Donc, l'élève a demandé quel artefact aimes-tu le plus? Pourriez-vous répéter la question? Je n'ai pas compris tout à fait. Elle a demandé quel artefact aimes-tu le plus? Ouh, c'est ma question préférée. On va vous le montrer. On l'a avec nous ici. Donc, Mallory va nous mettre notre caméra et on va vous montrer notre artefact préféré. C'est un artefact qui est quand même assez rare à trouver. Donc, sur Halloween, donc souvent les artefacts qui sont faits de matériel biologique, comme de bois ou qui sont faits en textile, sont difficiles à trouver. Mais on a ici, donc je vous mets sur la caméra, un artefact en textile, en tissu, en laine, qui a été préservé ici à Louisbourg. Donc, un objet qui est très rare à trouver, c'est un bas. Donc, le bas comme tel a été placé sur la forme d'un pied que Mallory est en train d'enlever ici pour vous le montrer. Et vous voyez que la chose la plus spéciale de cet artefact-là, c'est qu'il a actuellement été réparé. Et on peut voir sous le talon qu'il y a quelqu'un qui est allé avec un autre morceau de fil et qu'il y a une réparation sur le bas. Donc, c'est un artefact qui est très spécial, qui est très rare à trouver. Et c'est vraiment cool de voir. Donc, ça, c'est le bas que quelqu'un portait. Et sûrement qu'il n'était pas cette couleur-là. Donc, dans le sol, les couleurs vont souvent être décolorées. Donc, ça va tout être de cette couleur brune-là. Mais probablement que ce bas-là avait une différente couleur quand il était neuf. Donc ça, c'est vraiment un artefact très spécial, un artefact que notre préféré. On est content d'avoir la chance de vous montrer. Donc, je vais revenir sur ma caméra. Wow, c'est trop cool. Et voilà. Donc, on a une question qui vient de YouTube par Madame Dion. La question, c'est comment saviez-vous le nom de famille d'une maison? Bonne question. Donc, vous vous souvenez, tantôt, j'ai mentionné les archives et les documents historiques qui sont préservés en France. Mais c'est avec ça, c'est ça qu'on utilise. Donc, on fait beaucoup de recherches historiques avant, dans les documents écrits. Et on a certaines cartes sur lesquelles c'est indiqué quelle propriété et quelle maison appartenaient à qui. Donc, on sait que la famille Carrero avait une propriété sur la pointe Rochefort qui était située à côté d'une serre. Donc, quand on fait les fouilles et qu'on trouve ça, bien, basé sur les documents historiques qui ont été préservés, bien, ça appartient à la famille Carrero. Donc, on a fait ça pour à peu près toutes les maisons dans le site reconstruit de Louisbourg et dans le site qui n'a pas été reconstruit aussi. On est chanceux d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations qui est préservée à l'écrit, qui nous aide à comprendre le site archéologique de la forteresse. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de sens. Donc, une dernière question qui vient de Mme Ouellette. Donc, la question c'est, quel objet est la plus rare, à part du bas, par exemple, que vous nous avez déjà montré?
Donc, les artefacts, comme je vous disais, qui sont en textile ou en bois, sont très rares. Et des fois, ben, on trouve des objets qui ont beaucoup de valeur. Donc, on trouve des bijoux, des fois, on trouve de l'argent, des fois aussi. Puis, on aime vraiment ça comme archéologue. Les archéologues, ils aiment ça, trouver de l'argent. Ils trouvent des sous parce que souvent, sur les sous, ben, il y a une date qui est écrite. Puis ça nous permet de donner une date au site. Donc, on sait que ça ne peut pas avoir été mis là avant sur le sou, parce que sinon, le sou n'aurait pas existé. Donc, ça, c'est des objets qu'on aime ça trouver. Et des fois, ben, ils sont en or. Des fois, on trouve des bijoux. Des fois, on trouve c'est des objets qui ont plus de valeur comme ça. Ça, c'est le fun à trouver aussi. Puis, on en a trouvé à Louisbourg. Des bijoux, certainement. Et de l'argent aussi. C'est très, très cool. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de notre session de questions-réponses. Au nom de Parc Canada, Canadian Geographic et Exploring by the Seat of Your Pants, merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve le 19 avril pour une rencontre avec un autre expert de Parc Canada. Visitez le site web La Traversée virtuelle pour connaître les prochaines dates de présentation et pour en apprendre plus sur le patrimoine culturel et naturel grâce à la carte narrative disponible en ligne. N'oubliez pas de participer au concours pour avoir une chance de gagner un prix pour votre classe. À bientôt tout le monde! Merci! Bye bye! Bonne fin de semaine!